Ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, le faux contexte en ce moment est utilisé de plus de manière stratégique. Un fact-checker, ce n'est pas un journaliste hors sol, c'est un journaliste qui appelle des gens, qui va sur place, voilà. C'est justement quelque chose que nous, on a fact-checké, on va dire que ça a été la première information qui a vraiment circulé, qui a été reprise. Et la question de la malinformation, ça c'est des informations authentiques, mais qui sont partagées dans le but de nuire. Alors ce guide est une introduction essentielle à ces endroits obscurs de l'Internet, des publicités politiques, les applications et les groupes privés. C'est novateur, c'est avant-gardiste, j'ai bien aimé les notions qu'on a abordées. Enrichissant. Instructif.